Hello, 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 hello. Bonsoir, 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 les amis. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, c'est un nouveau dimanche. Nous sommes à nouveau connectés. Un instant, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. OK. Bien. Alors, voilà. Bonsoir, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. On est un nouveau dimanche, un nouvel épisode de Spotlight et un nouvel invité. Et aujourd'hui, on va parler de Mani, Mani, Mani. Mani, Mani, Mani. On va parler de Njangi, on va parler de tontine. Je sais que, je suis sûr que tout le monde, vous savez tous ce que c'est que la tontine. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On va en parler tout à l'heure. Et justement, l'invité de tout à l'heure est le promoteur de Njangi. Certainement, certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette application Njangi. Donc, on va entrer dans les détails tout à l'heure. Bonjour à toutes les personnes qui sont déjà connectées. N'hésitez pas à nous faire un coucou. Bonsoir, Willy. Merci d'être là. Je suis très contente. Bienvenue, bienvenue à Spotlight. Bonsoir à Kim et Josiane, c'est ma petite sœur. Bienvenue, ma chérie. Merci d'être là. Alors, les amis, vous savez, vous connaissez la routine, hein? Quand vous vous connectez, vous likez, vous partagez, vous invitez vos amis à nous rejoindre pour qu'on soit nombreux à bénéficier de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, avant de continuer, j'aimerais faire un rappel très rapide de l'émission précédente, notre Spotlight dernier. Alors, notre Spotlight dernier était aussi une émission particulière. J'étais moi-même à la place de l'invité. C'est vrai que c'était une toute autre expérience, je vous assure. C'était vraiment une toute autre expérience. Je vous avoue, il faut se confronter à ce genre de situation pour savoir que c'est un challenge quand même. Quand j'en ai parlé à mes amis, il n'en revenait pas en fait que ce soit un challenge pour moi d'être de l'autre côté de la caméra, d'être l'invité. Mais quand on est confronté à ce genre de situation, c'est là où on se rend compte que ouais, oui, c'est vrai que ça paraît simple pour les autres, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, la semaine dernière, donc justement, j'ai eu le plaisir d'avoir Fanuel Chomgué comme présentateur et moi, j'étais l'invité où j'ai présenté. Makit, j'ai présenté mon entreprise Makit. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas regardé l'émission de la semaine dernière, je vous invite à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, là où vous allez retrouver tous les replays de nos émissions. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, ah là là, je suis en train de bavarder depuis et je ne me suis même pas présentée. Voilà, je suis Francine Akiémé parce que je suppose qu'il y a certainement des personnes qui nous suivent pour la première fois. Donc, je suis Francine Akiémé, je suis l'animatrice de cette émission et nouvellement la fondatrice de Makit. Alors, l'émission Spotlight. Spotlight, c'est une émission qui est axée sur l'entrepreneuriat. Donc, on veut à travers cette plateforme donner la possibilité à nos frères qui ont des entreprises de se mettre en avant, de nous présenter leurs projets, de nous parler de leur parcours entrepreneurial, afin qu'on puisse motiver et inspirer nos frères, nos jeunes frères. Franchement, c'est important d'avoir des modèles. Quand on a des modèles auxquels on peut s'identifier, on réussit je veux dire, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est quand même, c'est motivant en fait, c'est vraiment motivant. On a quelqu'un à qui on veut ressembler, quelqu'un qui fait des choses qu'on aimerait faire soi-même, c'est vraiment très motivant. Et à travers Spotlight, vraiment, on espère et on souhaite pouvoir créer ces modèles, ces rôles modèles pour nos jeunes, pour la jeunesse africaine. Parce que l'entrepreneuriat, on ne le dira jamais assez, franchement, l'entrepreneuriat, c'est l'avenir, c'est par là que l'Afrique doit passer pour se développer. Donc, voilà. Alors, il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue, Sangou. Merci d'être là. Je suis ravie que tu sois là. Donc, comme j'ai dit, hein, n'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas à taguer vos amis afin qu'ils viennent nous retrouver et qu'ensemble,
qu'on puisse partager la connaissance, comme on le fait à Spotlight. Donc, notre invité aujourd'hui, justement, le thème d'aujourd'hui, c'est, comme vous le voyez, comme on l'a annoncé déjà, c'est la tontine. La tontine. Je viens juste de me rendre compte qu'il y a une petite erreur au niveau du titre de, au niveau du titre de l'émission qui défile en bas là. Donnez-moi quelques secondes que je puisse rapidement corriger ça. Bah, pendant ce temps, les personnes qui nous rejoignent, écrivez-nous peut-être d'où vous nous suivez. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la tontine? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui font déjà une tontine quelque part ou qui ont eu à faire peut-être la tontine? Ce serait intéressant aussi de savoir ça. Bien, voilà. Alors, le titre est corrigé. Donc, aujourd'hui, on va parler de tontine. On va parler de tontine, mais ce sera un système modernisé, en fait. Ce ne sera pas, c'est pas la tontine, le principe reste le même. Mais notre invité a trouvé, a pu développer une solution pour essayer de moderniser justement cet ancien système d'épargne, parce que la tontine, c'est un système d'épargne que nos parents, nos grands-parents ont utilisé, et nous-mêmes également. Moi, personnellement, c'est un système d'épargne que j'adore, que j'affectionne vraiment beaucoup. Donc, voilà. Alors, on a Willy qui nous dit qu'il fait la tontine depuis 3 ans. Voilà, justement. Et qu'est-ce que tu penses de la tontine? Comment tu trouves la tontine? Je veux dire, c'est vrai que si tu fais depuis 3 ans, c'est que ça te plaît, c'est que ça t'intéresse, tu y trouves ton intérêt. Peut-être ce serait bien que tu nous dises est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais recommander ou pas? Et on a Sango qui nous dit, je connais bien la tontine, mais qui finit, mais qui finit régulièrement sur un ring. Oui, c'est vrai que c'est vrai que la tontine, comme on l'a fait en Afrique, au Cameroun, c'est vraiment basé sur la confiance, parce qu'il n'y a pas un système, il y a un certain système, mais c'est informel, c'est un système assez informel, et c'est vraiment basé sur la confiance. Donc, quand il n'y a pas la confiance au sein de la tontine, vraiment, ça ne peut pas marcher, ça ne peut vraiment pas marcher. Mais moi, je fais la tontine depuis c'est plus de 5 ans, plus de 6 ans, wow. Peut-être même 10 ans, hein, je pense. Et dans mon groupe, on n'a jamais eu de problème parce que justement, cette tontine-là est basée sur la confiance. C'est quelque chose de très important. Donc, Sango, si ta tontine finit toujours pas finit régulièrement dans le ring, peut-être justement que la solution que notre invité ce soir va apporter sera quelque chose qui pourra t'intéresser. Parce que je pense que ça vient résoudre certaines problématiques de notre tontine traditionnelle. Et peut-être ça peut être intéressant pour toi. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va recevoir M. Jules Guilin-Kenfa, qui est le promoteur de Njangi, le fondateur de Njangi. Il viendra justement sur ce plateau donc nous présenter, nous parler de son application, nous parler de son projet, nous parler de ce que Njangi finalement apporte de nouveau. Quel est le souffle nouveau que Njangi apporte au sein de la tontine en fait. Donc voilà, je vais donc introduire dans quelques instants notre invité dès qu'il se connecte. Ok, d'accord, je l'introduis dans quelques instants, je prends rapidement encore quelques commentaires. Alors, Willy qui dit, je peux recommander, mais ça dépend du nombre de personnes qui y participent pour ou entre par recommandation. Alors, tu veux dire qu'on entre dans la tontine par recommandation, c'est ça? Dans le groupe de tontine où tu es, on entre par recommandation.
Oui, je peux bien comprendre parce que la tontine, finalement, c'est basé vraiment, comme on a dit, sur la confiance. Et si quelqu'un déjà qui est dans un groupe et qui fait la tontine déjà, justement, cette personne-là recommande une autre personne, c'est clair que la confiance va se transmettre également. Donc, jusqu'à ce qu'on va dire, ou alors on va dire, la personne bénéficie comment on dit? Du bénéfice du doute jusqu'à ce que on ait des raisons de ne plus lui faire confiance. Coucou Annie, coucou Anita. Bienvenue ma chérie, merci d'être là. Je suis très ravie de t'avoir. Peut-être toi aussi tu auras quelque chose à nous dire par rapport à la tontine. Je sais que tu fais aussi la tontine depuis des années. Donc peut-être tu auras des informations intéressantes à partager avec nous tout à l'heure. Donc, merci d'être là et n'hésite pas, hein, n'hésite pas à partager autour de toi, à inviter d'autres personnes à nous rejoindre afin qu'on puisse justement partager la connaissance. Alors, un dernier commentaire et puis on introduit notre invité. Sangou qui dit, c'est un excellent moyen de réaliser de gros projets lorsqu'on trouve un bon groupe, surtout quand on a un parrain. Oui, c'est vrai que ça que ça sert en fait. J'ai une amie qui est Nina Baka, qui est justement, elle est consultante en gestion de finances personnelles. Et justement, elle disait que dernièrement, j'ai lu un post d'elle, elle disait que pour faire la tontine, il faut avoir un projet. Vraiment, quand tu commences une tontine et que tu n'as pas un projet précis pour cette tontine-là, tu vas finir de manger ça avec le ketchup, comme je dis souvent. Tu vas finir de manger l'argent là avec le ketchup, comme je dis souvent. Donc, pour que ça serve, pour que la tontine ait vraiment je veux dire, un but, pour que cet argent puisse être investi, il faut qu'il y ait un projet déjà qui est sur pied et qui va être financé par cet argent de la tontine. Annie qui nous dit jamais sans ma tontine, effectivement. Effectivement. Bien, les amis, voilà, on ne va pas, c'est pas très gentil. Notre invité est en backstage depuis un bon moment et moi, je suis là, je m'amuse avec vous et je l'ai même oublié. Donc, je vais l'introduire comme ça. Je vais donc, de ce pas, introduire notre invité. On a Monsieur Dago qui vient de nous rejoindre et il réclame qu'on salue ceux qui partagent. Welcome, Monsieur Dago, welcome. Et merci pour tes partages. Vraiment, Monsieur Dago, je veux dire, on ne peut pas parler de Spotlight sans parler de lui parce qu'il est un des fondateurs de Spotlight. Il est un partenaire, il est un sponsor et il est un fidèle, fidèle, fidèle auditeur. Donc, vraiment, merci, merci pour tout ce que tu fais pour Spotlight, Monsieur Dago. Merci infiniment. Alors, vraiment maintenant, sans plus tarder, je vais introduire l'invité juste après le jingle. Hello, hello Jules. Salut, salut. Comment tu vas? Ah ouais, ça va très bien, ça va très bien. Très ravi de me retrouver sur votre plateau. Bah, c'est moi qui dis merci, vraiment merci à toi d'avoir accepté l'invitation de Spotlight. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé et vraiment que tu aies pu trouver un moment dans ton décaler un moment dans ton agenda pour venir honorer cette invitation. Je suis très, très heureuse, je te dis merci et welcome, bienvenue à Spotlight. Ah, merci beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir beaucoup s'échanger et ce sera très enrichissant. Oui, ça je suis sûre. Je t'ai dit, comme je t'ai dit, tu le sais déjà, comme je t'ai dit en off, c'est ton projet Njangi, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, les uns et les autres, peut-être qui n'ont pas encore entendu parler de Njangi, ils vont rentrer, ce soir, ils auront déjà un peu plus d'informations et ils seront convaincus que Njangi, c'est une très bonne solution qui vient apporter un plus à notre système traditionnel de tontine, effectivement. Exactement, exactement. D'accord. Alors,
pour les personnes qui ne te connaissent pas et même pour ceux qui te connaissent déjà, on va te laisser te présenter. Donc, dis-nous qui est M. Jules Guilin-Kenfa, Mr. Njangiman. Exactement, beaucoup de gens m'appellent Monsieur Njangi. Donc, moi, c'est okay. Jules Guilin-Kenfa. Je suis Camerounais d'origine et je réside en Allemagne depuis pratiquement 14 ans où j'ai étudié dans les télécommunications et travaille aussi dans le domaine de l'automobile. Voilà. Donc, je pense en 2016, j'ai décidé comme ça d'entrer dans l'aventure entrepreneuriale. Passionné du développement, passionné de la programmation, j'ai comme ça pensé comment est-ce que je pourrais apporter une contribution à l'Afrique, et apporter ma pierre à l'édifice pour la construction de l'Afrique. Et j'ai pensé, voilà, quels sont les problèmes auxquels on fait face autour de nous? Parce que c'est quand il y a un problème qu'il y a une solution et c'est quand il y a un problème qu'il y a les opportunités d'affaires. Voilà. Donc, fils du chef d'une communauté. Effectivement, chaque dimanche, on avait les réunions dans notre chez nous. Et voilà, je voyais toujours les problématiques qu'on avait au sein de cette réunion. Et une fois arrivé en Europe, j'ai toujours eu à rencontrer ces différentes problématiques. Et c'est là où j'ai pensé concevoir la solution Njangi. Voilà. Donc voilà plus ou moins un peu qui je suis. D'où commence Njangi et je pense qu'on aura le temps de plus entrer en détail. Effectivement, de développer au cours de l'émission. Alors, donc, tu es à la base ingénieur informaticien, c'est ça? Non, je suis un ingénieur en télécom. Ah oui, c'est vrai, un ingénieur en télécom. Justement parce que tu as trouvé dans tes groupes, certainement les groupes de tontine où tu étais, parce que je me dis, si tu as pu détecter un problème, ça veut dire que tu faisais certainement partie d'un groupe où il y avait ce problème. Exactement. Voilà. Donc, je dis. Alors, c'était quoi, déjà, en fait, même le détecté... problème? Oui, oui. Voilà, le problème, c'était simple. Je crois qu'en 2016, c'est vrai, on a déjà WhatsApp qui est très, très en vue. On a des groupes où effectivement on se rejoint dans les groupes. On décide de faire comme ça des tontines. Et après, il faut pouvoir gérer, avoir une certaine visibilité sur qui a cotisé, qui n'a pas cotisé. Chacun essaie bien que mal d'envoyer les messages en inbox au trésorier, au récepteur pour dire, bon, voilà, j'ai envoyé mon argent. Certains vont dire, voilà, dis que j'ai envoyé, pourtant, j'ai pas envoyé. Donc, il y avait vraiment un peu plus ou moins cette magouille qui se passait plus ou moins. Et qu'il n'y avait pas cette transparence. Nous, on ne savait pas exactement. Les membres lambda, on ne savait pas ce qui se passait dans la caisse. Parfois, on recevait juste un fichier Excel qui montrait que voici l'état des caisses. Voilà. Donc, tu prenais juste un fichier et tu disais, bon, voilà, c'est ce qu'on a dit, donc ça doit être ça. Et aussi, il y avait aussi cette problématique de... il faut chaque fois demander le compte bancaire du bénéficiaire pour envoyer son argent. Parfois, il a mal écrit ou... le trésorier ne vous a pas donné à temps. Donc, il y avait vraiment toujours cette problématique. Et aussi, voilà, on souhaiterait bien faire les tontines au niveau du Cameroun. Il y avait aussi beaucoup de tracasseries quand tu as envoyé l'argent de la tontine. On passe par un tiers, un frère, un cousin. Et parfois, l'argent n'arrivait pas à bon port. Donc, tu te retrouves un jour, on commence, tu appelles le membre du bureau, le trésorier, il commence à il est un peu méfiant, tu ne comprends pas pourquoi. Il dit non, depuis trois mois, tu n'as pas fait payer ta cotisation. Tu es vraiment surpris parce que tu avais déjà envoyé l'argent. Donc, il y avait vraiment cette problématique. Voilà. Donc, il y avait le problème de transparence, effectivement, le problème de traçabilité des données et aussi savoir exactement quel est l'état des caisses et voilà, ne plus toujours passer par une tierce pour personne pour pouvoir payer, faire sa cotisation. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, c'est à partir d'ici que tu as détecté le problème. Mais avant qu'on entre dans la solution que toi tu apportes avec Njangi, j'aimerais quand même que tu nous dises. Excusez-moi, je dois rapidement charger mon. J'ai un commentaire qui me fait sourire. C'est Willy qui dit, Francine, tu es en forme ce soir, pas de toux sèche. Moi, tu as appelé encore ma toux, Willy. J'étais tranquille, j'étais très en forme. Ton commentaire a réveillé ma toux. Il y a Jude, la belle, qui nous demande en quoi consiste le concept
Bonsoir Jude, la Belge. Je suppose que tu es la première fois que tu te connectes à Spotlight. Déjà, installe-toi, ma chérie, installe-toi. Et puis, écoute, et à la fin ou alors pendant l'émission, tu sais, certainement, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on va parler de tontine. Et on a Jules qui est là. C'est OK qu'on se tutoie, non, Jules? C'est OK que je te tutoie? Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Exactement, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, Jude, la belle, tu vas, installe-toi, ma chérie, tu vas écouter. On parle aujourd'hui de tontine et de la solution que Njangi apporte à ce système traditionnel d'épargne. Donc, bienvenue à toi. Alors, justement, je disais qu'avant qu'on entre dans qu'on entre dans les solutions que Njangi vient apporter à ce système traditionnel d'épargne qui est la tontine, est-ce que tu as, au Cameroun, est-ce que tu as peut-être avant essayé de comprendre, je suppose, excuse-moi pour la question, ça peut paraître inapproprié, comment est-ce que nos mamans faisaient? Parce que tu as parlé du problème de transparence, du problème de confiance entre les membres. Comment est-ce que ça se passait en fait? Comment ça se passait en fait avec les tontines de nos mamans en fait? Puisqu'elles font ça depuis des décennies. Voilà, disons que en Afrique c'est un peu bien particulier dans la mesure où il y a plus ou moins les mamans, elles se connaissent déjà plus ou moins ensemble parce qu'elles font la tontine, elles font la réunion, on dit elles font la réunion parce que c'est un confond de tontine avec une réunion. Il y a d'abord, on décide de faire une association où les gens se rencontrent, ils peuvent même ne pas faire la tontine, mais ils se rencontrent, ils s'entraident, s'il y a un deuil. On va aller soutenir l'autre, et vice-versa, et tout ça, si un malheur. Donc, la tontine, maintenant, est juste venue au-dessus pour dire, bon, voilà, essayons aussi de faire des cotisations où on va effectivement faire ce que nos ancêtres faisaient depuis très longtemps. Maintenant, leur principe est bien clair. Il y a déjà la confiance déjà entre les mamans. Vous imaginez une maman au quartier qu'on va pointer du doigt en disant, tu vois, ouais, maman telle, elle ne paye jamais sa tontine. Donc, voilà, elle a bouffé l'argent. Donc, déjà, de par le fait qu'elles ont peur qu'un jour, on puisse le pointer du doigt, qu'elles ont bouffé l'argent, il y a déjà cette confiance qui naît. Maintenant, c'est plus ou moins généralement des mamans qui se retrouvent elles sortent de la même communauté ou du même village, du même quartier ou village. Donc, ils se connaissent plus ou moins, les parents se connaissent plus ou moins. Voilà. Donc, c'est ces mamans qui décident alors de se mettre en groupe. Généralement, il y a un cycle bien précis qu'il définit. S'ils sont 10, on décide qu'OK, voilà. On va faire un tirage au sort pour définir qui va recevoir en premier. Et généralement, lorsqu'ils reçoivent, effectivement, tous les membres de la tontine vont auprès de cette maman qui reçoit. Elle va préparer, on va cotiser pour qu'elle prépare, on va manger. Et à la fin, on va passer à la cotisation proprement dite et chacun va mettre le montant qu'on avait défini sur la table et elle sera la bénéficiaire. Voilà. Donc, voilà un peu plus ou moins comment est-ce qu'elles font les rotations. Et vu que nous savons que la plupart de nos mamans sont soit des ménagères, soit elles vendent au marché, cet argent, effectivement, pourra les permettre de pouvoir acquérir des nouvelles marchandises et de pouvoir faire tourner l'argent et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment dans le mode vraiment de nos mamans qui font dans l'informel. Maintenant, au-delà de ça, on a maintenant, comme dans toute communauté, il y a des élites qui ont effectivement une force financière, il y a des opérateurs économiques. Ceux-là sont venus introduire encore un autre mode de fonctionnement dans les tontines, qui n'est plus seulement on fait une tontine rotative, mais plutôt on vend l'argent, on met l'argent en vente aux enchères. Donc ça va, on cotise tout le montant, au lieu de donner à une personne comme les mamans ont l'habitude de faire, on dit vendons cet argent. Le plus offrant prendra l'argent et les bénéfices qui vont en découler pourront rester dans la caisse. Et une fois la tontine terminée, on pourra se départager l'argent. Donc, ces opérateurs économiques sont venus changer la donne parce qu'ils ont besoin du cash flow, ils ont peut-être une marchandise au port, ils doivent retirer une marchandise au port, ils ont besoin d'un million. Donc, ça fait que si on a une tontine où on se retrouve peut-être à 20 et qu'on cotise, disons, 100 000 francs, ça veut dire qu'à la fin, ils ont 2 millions. Donc, il se voit avec 2 millions, il y a son conteneur qu'il faut dédouaner à peut-être à disons, 5 millions. Il voit déjà que 2 millions, déjà, c'est une marge. Il avait déjà peut-être 3 millions, il manquait juste 2 millions. Au lieu d'aller auprès d'une banque qui sera forcément, les taux d'intérêt seront très élevés, il préfère acheter l'argent à la tontine. Voilà. Donc, on va le mettre, faire une mise aux enchères. On va dire qui est le plus offrant. Lui, il va commencer peut-être par, j'achète à 20 000, l'autre va dire 30 000. On peut me monter comme ça jusqu'à
carrément 300 000, 400 000 pour seulement acheter ces 2 millions. Donc, on finit, mmh. s'il achète à 200 000, on va lui donner effectivement 1 800 000, laisser les 2 millions dans la caisse et il pourra rembourser. Quoi. Lui, ça sera déjà un gain. Quoi. Donc, c'est ceux-là, effectivement, qui sont venus changer la donne. Et beaucoup de dentistes, actuellement, de nos jours, ils ont intégré vraiment ce mode de vente aux enchères. Mais c'est un fonds de dentistes en parallèle. Donc, ils décident la vente aux enchères et les dentistes classiques tels qu'on le connaît. Donc, c'était un peu ça, quoi. OK. OK. J'avoue que je jusqu'à présent, vraiment, c'est le modèle de dentine classique que j'avais, que j'ai toujours eu à faire. Et mm-hmm. je n'étais pas très informée sur le principe de ce modèle de dentine de vente aux enchères. C'est, il est très répandu. Mais malgré ça, c'est quand même toujours informel. C'est quand même toujours basé sur la confiance, ce type de dentine. Ou c'est alors, c'est enregistré à travers une banque ou bien légalisé. Disons que, exactement. Voilà, disons qu'il y a déjà des banques qui sont intéressées là dans le secteur où effectivement, ils créent déjà des comptes bancaires de l'association et chacun va dans cette banque déposer sa cotisation contre un reçu. Cela se fait généralement dans les grandes villes, notamment dans le cas du Cameroun, Douala, Yaoundé. Et ils empêchent aussi, j'avais aussi oublié un facteur qui était la sécurité en fait, quoi. Vous imaginez la maman qui a reçu sa tontine. On a effectivement constaté des cas où, après avoir reçu la cotisation, elle se fait braquer et tout l'argent de la cotisation est parti. Donc, à travers cela, il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés. Ils ont essayé plus ou moins d'apporter une solution. Les microfinances ont apporté cette solution en demandant à ce que chaque membre aille déposer l'argent à la microfinance contre un reçu. Donc, lorsqu'il revient dans la tontine, ils n'ont juste qu'un reçu jusqu'à la main. Ça, c'est une partie de la solution, mais qui n'est pas une solution définitive parce qu'on est toujours en train de parler d'un mode classique, on est en train de parler toujours d'un mode un peu manuel qui n'est pas forcément très numérisé. Voilà. C'est là où Djangui entre en jeu et je crois qu'on pourra en parler. D'accord. OK. On fait un petit break de quelques secondes et on revient dans quelques secondes. Bien. Alors, tu nous as dit, on est de retour. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Si vous êtes là, faites-nous un coucou. Coucou Menoy JMC. Je crois que je connais ce profil, Collins. Bienvenue à toi, mon frère, et merci d'être là. Toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, vraiment, je vous prierai de liker, de partager autour de vous et d'inviter vos amis à nous rejoindre. Aujourd'hui, on parle de Njangui, on parle de money, on parle de tontine. Bienvenue à toi également, Brianne Léonard, qui dit « Je suis intéressée, je veux savoir plus ». Bienvenue, installe-toi et puis tu en sauras plus, ça c'est sûr. Bienvenue à toi. Alors, Jules, justement, tu nous as dit que tu es en Allemagne, tu vis en Allemagne depuis… 14 ans, pratiquement. 14 ans, exactement. Justement. Et c'est à partir d'ici que tu as détecté, que tu as eu l'idée de créer Njangui. Exactement, c'est à partir d'ici, voilà. Donc, disons que déjà, je faisais partie d'une tontine du nom même de Njangui, d'où le nom Njangui. D'accord. Ouais. Oui, ça veut dire, c'est vrai que Njangui, ça signifie tontine, c'est ça, non? Ça signifie tontine, effectivement. Non, ça signifie tontine, je crois que c'est un mot en douala, qui signifie tontine. Voilà. Que j'ai adopté pour ma plateforme et c'est devenu comme ça une marque déposée de ma structure. Exactement. D'accord. Alors, on est dans le vif du sujet. Hein. Dis-nous, c'est quoi Njangui en fait? Voilà, c'est disons tout simplement que Njangui, au vu de toutes les problématiques que j'ai énumérées tout à l'heure, Njangui, effectivement, c'est cette solution qui vient résoudre les problèmes spécifiques, notamment de sécurité, de transparence et aussi de distance. La distance dans la mesure où vous avez deux amis qui ont grandi, disons, à Bafoussam et pour des raisons professionnelles, l'autre à la Yaoundé, il est resté à Bafoussam. Ils se connaissent déjà au préalable. Disons, ça peut être un cercle de 10 amis se connaissent déjà au préalable, mais parce qu'ils sont dispatchés entre les différentes villes, il est difficile pour eux, effectivement, de pouvoir faire une tontine ensemble parce qu'ils ne se retrouvent pas. Maintenant, la question est de savoir comment ils s'y prennent. Voilà, ils pourront utiliser d'autres moyens qui ne sont pas très conventionnels. Donc, Njangui est venu à travers cela apporter une solution numérique
qui permet que les personnes puissent se rencontrer sur la plateforme et puissent faire la tontine comme s'ils étaient, voilà, ils se retrouvaient de façon physique. Ça veut dire, on a essayé à travers Nzanghi de numériser tout le fonctionnement d'une tontine classique à travers une application mobile qui est disponible sur le Google Play Store et dans quelques semaines ou dans quelques jours sur le App Store. Donc, le concept permet effectivement que je puisse installer l'application. Si je veux initier une tontine, je crée la tontine, je remplis les champs qui me sont demandés. Et une fois j'ai terminé de remplir les champs, je peux envoyer les invitations à des personnes avec qui je souhaite faire les tontines. Donc, et là, vraiment, il n'y a pas de barrière. Je peux être en Allemagne, je décide de faire les tontines avec des personnes se trouvant en Afrique. Djangui me donne cette possibilité parce que nous avons effectivement beaucoup de fonctionnalités qui sont intégrées. Le rapport de séance, pour chaque séance, vous avez des rapports bien détaillés. Pour les cotisations, chacun peut directement, depuis Njangi, initier le paiement de sa cotisation. Et tous les autres membres verront effectivement qu'il a payé Njangi. À travers Njangi, on peut voter les membres du bureau. Ils peuvent utiliser la plateforme. Donc vraiment, je pense que aussi le COVID est aussi venu nous montrer que Njangi, vraiment, c'est la plateforme qu'il faut pour pouvoir pallier à ce problème parce que voilà, il vient vraiment résoudre cela pour dire la distance n'a plus de problème, on n'a plus de problème avec la distance, on n'a plus besoin de marcher avec l'argent parce que nous avons intégré différents modes de paiement, notamment pour le cas de l'Afrique, le mobile money qui permet à ce que je puisse directement depuis Django payer ma cotisation. Ça ira directement dans le compte soit du membre ou du trésorier et l'information est dispatchée directement en temps réel à d'autres membres. Donc voilà un peu comme ça. La raison pour laquelle nous avons pensé qu'il est important de digitaliser les tontines. Donc, à la base, on a dit nous allons digitaliser sans forcément changer la manière de fonctionner. Ça veut dire on regarde les aspects d'une tontine classique, on essaie de le mettre juste en forme numérique. Ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin des rapports de séances rédigés sur un bout de papier. Tout cela maintenant est numérisé dans Zangi. On n'aura plus besoin d'écrire les noms de chaque personne qui a cotisé. Tout cela est disponible chez Django et chacun peut directement depuis son téléphone y accéder. Et effectivement, on a aussi un service de messagerie similaire à WhatsApp qui fait que voilà, on permet comme ça entre les membres de pouvoir s'interéchanger. L'avantage de ce système de messagerie, contrairement à WhatsApp, c'est que ce n'est que pour la tontine. Ça veut dire si on décide de s'échanger dans système de messagerie, chacun peut créer un sujet auquel il aimerait qu'on discute. Ce sujet devient un groupe WhatsApp. Ah, d'accord. Comme classique. Et du coup, le sujet sur lequel tu aimerais qu'on discute, tu peux dire, discutons des frais bonheur. Les frais bonheur deviennent un groupe et chacun entre dans frais bonheur. Il ne parle que des frais bonheur. En parallèle, une autre personne peut décider de créer un autre groupe sujet et dire, parlons de l'avènement de l'enfant de X et on ne parle que de ça, l'organisation, ainsi de suite. Donc voilà un peu comme ça, plus ou moins quelques fonctionnalités que nous avons insérées. Mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités dont je préfère le dit par la suite, quoi. Voilà. Donc, c'est le but vraiment, c'était de dire comment on numérise la tontine. On résout le problème de barrière, le problème de transparence et le problème de sécurité. C'est vrai que comme Jude Labelle le dit, il fallait y penser d'abord. Une application, justement, il fallait y penser parce que ce problème de même le problème de barrière, même déjà, même d'abord sur le territoire. On est en Allemagne, on vit en Allemagne et on a déjà justement ce problème de transparence et de sécurité aussi, d'une certaine manière. Mais c'est très bien ce que Njangi apporte comme solution. Et Monsieur Dago également qui dit bravo, Jules, ton équipe pour ce travail de pionnier. Ah, merci beaucoup. Donc, je vais mettre le petit spot que tu m'as envoyé. Peut-être ça pourra. Après, on va continuer l'émission. Ok, voilà.
Alors, j'ai souri tout à l'heure parce que je t'ai vu avec un groupe de mamans qui s'était demandé d'une réunion. Justement, Exactement. quelle a été la résonance de Njangi? Comment est-ce qu'un Njangi a été accueilli au Cameroun? Ouais, disons tout simplement que déjà, vu que c'est une plateforme qui existe depuis 2016, voilà, il y a eu vraiment une 2016, certaine, ok. 2016, oui, il y a eu vraiment une certaine euphorie dans la mesure de dire comment c'est possible, comment vous avez pu le faire. Donc vraiment, il y avait déjà cet effet de, voilà, waouh, ok, donc c'était possible, il y avait déjà cet engouement de la population qui disait, voilà, c'est mes félicitations, ainsi de suite. Donc, il y avait déjà, c'était les encouragements qui allaient dans ce sens. Mais, je préfère dire, mais, on est ici, on est en train de parler d'argent. Ici, on parle d'argent, surtout. Et vous savez que lorsqu'il s'agit d'argent, là, on ne s'amuse pas avec. Voilà. Donc, au-delà de cet engouement que les gens ont eu en sachant, en disant, voilà, c'est possible de le faire, et surtout que, je suis passé, je suis presque sur tous les plateaux de télévision au niveau du Cameroun et même aussi à travers les autres pays, notamment RFI, TV5, pour ne pas faire de publicité, et d'autres pays africains. Il y avait vraiment cet engouement de dire, bon, voilà, on a pu créer un truc, un Africain a créé quelque chose et tout. Mais au-delà de ça, il fallait maintenant dire, est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce qu'elle est fiable? Donc, on avait vraiment ce problème de, après cet engouement, de dire, comment parvenir à convaincre quelqu'un que c'est une plateforme qui est fiable? Il y avait aussi maintenant, je crois qu'il y avait beaucoup un phénomène qui voyait le jour aussi en Afrique, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on appelait les brouteurs. Je crois qu'une fois, j'ai dû entendre Ah, parler. Les oui, les brouteurs qui, brouteurs. effectivement, les arnaqueurs qui utilisaient les réseaux sociaux, voire l'Internet pour arnaquer des gens. Donc, du coup, on s'est dit, ah, est-ce que ce ne sont pas les brouteurs qui sont derrière? Donc, ça veut dire qu'il fallait maintenant convaincre des gens de dire non, nous sommes fiables. Mais au-delà de ça, venant dans une tontine et leur disant, vous avez une plateforme que désormais vous pouvez utiliser, elle ne va pas remplacer le fait que vous rencontrez, mais au moins ça va permettre une certaine transparence. Donc vous comprenez que les membres du bureau, qui généralement, certains font des magouilles, ils disent, ah, ils ont les yeux ouverts en disant, ah, donc le gars, s'il veut qu'on découvre ce que nous faisons. Donc, et vu qu'il fallait parfois demander l'audience de ces membres du bureau avant d'atteindre les membres lambda, ils étaient très réticents. Certains diront, nous, ils refusaient de nous donner l'audience parce qu'ils savaient que, au vu de ce qu'on leur a expliqué, beaucoup, effectivement, vont adhérer. Ils vont dire que non, utilisons ça enfin, on peut savoir ce qui se passe dans le bureau. Donc, on a vraiment eu cette réticence de ces utilisateurs, en fait, quoi. Voilà. Et parce que nous allions dans généralement dans les tontines, dans les associations pour en parler. Voilà, c'était vraiment très, très difficile de pouvoir les convaincre au départ. Certains, effectivement, bien que sachant le bien fondé de la plateforme, ils étaient toujours en train de dire, bon, on a eu quand même à utiliser certains astuces qui étaient de dire, on passe par les membres directement, on leur fait part de la fonctionnalité, comment ça marche et quel est le bien fondé. Et eux, ils partaient parfois mettre la pression au bureau pour qu'on puisse l'adopter. Donc, c'était vraiment un challenge de dire, on vient en tant que pionnier changer la manière des gens de fonctionner et leur demander d'adopter la plateforme. Donc vraiment, vous savez, vous comprenez que nous, en tant que pionniers, c'était vraiment un peu très difficile de pouvoir à sensibiliser les autres personnes. Dieu merci, au fil du temps, on a pu, comme ça, à travers nos publications, à travers aussi les médias qui nous donnaient les audiences, notamment la télévision nationale, la CRTV, pour ne pas faire de commentaires, Canal 2, Afrique Média, tous ces médias, RFI. C'est on dit, ah, si RFI, si Canal 2, si la CRTV donne l'audience à ces personnes, ça veut dire qu'ils, ah, sont plus ou moins sérieux. Ils sont Voilà, fiables, oui, ils sont effectivement. fiables. Donc, c'est ça qui nous a un peu donné la possibilité de pouvoir toucher les gens. Bon, vous comprenez aussi que lorsque nous sommes au départ, on lance la plateforme, on n'est pas forcément aussi stable que les autres plateformes. Voilà. Donc, la fréquence, de façon générale, lui, c'est que les applications, c'est WhatsApp, c'est Facebook, peut-être encore YouTube. Venez lui donner notre application autre que ces trois majeurs. Et en plus, qui va gérer Et son en argent, qui plus, va qui va parler. gérer son argent? Il veut directement, s'il veut m'adopter, il compare directement avec WhatsApp. Il prend WhatsApp, il prend ton application. Il veut se rassurer que ça fait les mêmes choses. On est Même en train de chose. parler de 2016. Donc, du coup, quand il voit que ah, ça ne fait pas celle, ça a bugué, ouh. Donc, ce n'est pas fiable, en fait, quoi. Je suis Sans plat, savoir que oui. derrière, les autres plateformes se trouvent carrément sans voix de 100 développeurs qui, effectivement, travaillent jour et nuit, quoi. Donc, c'était un peu vraiment ce problème auquel nous faisions face. Mais je pense qu'au fil du temps, voilà, à force de persévérer, à force d'y travailler, le temps nous a donné raison, mais c'était vraiment un gros challenge, quoi.
Je préfère le dire comme ça. Mais jusqu'à présent, il y a toujours certains qui sont réticents, mais je pense qu'au fur et à mesure, les données changent comme à ce niveau. D'accord. Oui, c'est vrai qu'en tant que pionnier, on a vraiment une autre responsabilité parce que tu viens dans un terrain qui est tout neuf, on va dire vierge carrément, et tu dois éduquer en fait les populations, tu dois amener les gens à te faire confiance. Avant de se faire confiance, même moi, à ton produit, toi déjà la personne. Et justement, la semaine dernière, j'étais invitée sur une émission où je parlais justement aussi de la confiance que les gens mettent au promoteur d'une solution. Quand tu viens avec ton produit sur le marché, les personnes doivent d'abord, toi, pouvoir te faire confiance avant d'adhérer à ton produit. Exactement. OK. Alors, je vais faire un tour rapide pour regarder si on a des questions de nos spectateurs avant de continuer avec mon questionnaire. Alors, M. Dago qui demande, comment pourrions-nous intégrer efficacement pour capitaliser les capitaux de la diaspora pour financer les projets en Afrique? Voilà, donc disons tout simplement que parce qu'une Djangui parle de l'argent, parce qu'une Djangui parle effectivement des cotisations, je crois que Monsieur Simplice, c'est comme s'il a déjà lu dans notre... Il y a eu peut-être une fuite dans notre boîte, parce qu'effectivement, nous pensons à Insider. Nous sommes en train d'élaborer effectivement, parce que vous me donnez l'occasion, je crois que vous aurez peut-être cette exclusivité. Nous travaillons effectivement sur un module qui sera disponible dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans un guide qui permettra effectivement que la diaspora, que ce soit la diaspora ou l'Afrique, les personnes se trouvant en Afrique puissent ne pas seulement cotiser, mais qu'ils puissent aussi utiliser Djangui effectivement comme une sorte de plateforme de crowdfunding pour financer des projets. Donc, on pourra comme ça rapprocher des porteurs de projets qui pourront effectivement mettre leurs projets sur notre plateforme et on mettra ça à la disposition de qui de droit ou des associations pour qu'ils puissent financer. Donc, voilà, j'ai vraiment voulu, parce que voilà, il y a cet engouement d'annoncer cette exclusivité. Donc, c'est un module qui effectivement est déjà presque terminé et qui ne sera que disponible dans les mois à venir. Je préfère rester dans les mois à venir. Exactement. Ah, merci pour l'exclusivité, vraiment. Monsieur Dago, il faut nous dire, est-ce que tu as un insider au sein de Djangui? oui, de 2016 à aujourd'hui, Djangui a vraiment fait son chemin et de plus en plus de personnes connaissent Djangui et utilisent Djangui. Qu'est-ce que, je veux dire, comparé à il y a quelques années, est-ce que tu penses que les mentalités ont évolué? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment de réelles chances que Djangui soit, la première solution au niveau national et même en Afrique, et pourquoi pas au-delà? Disons tout simplement que nous sommes très convaincus à ce niveau. De part le fait que nous sommes les pionniers, pas seulement dans le secteur des tontines, mais dans des applications en général. Je me souviens en 2016, effectivement, lorsque nous lançons cette plateforme, autour de nous, on pouvait vraiment compter des autres solutions au bout du doigt. Ça, je préfère être... Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas seulement pionniers dans le domaine des tontines, mais dans le domaine du numérique en général. Voilà, maintenant, ils peuvent avoir des nouvelles personnes qui peuvent arriver avec des idées plus innovatrices, avec, disons, le budget ou les financements plus énormes et ils prennent une grosse part de marché. Mais je peux vraiment dire avec toute une certaine certitude qu'actuellement, nous avons vraiment une politique vraiment très, très agressive sur le plan de vue marketing et d'autres plans qui fait qu'effectivement, nous n'avons même pas de doute quant à notre leadership dans le domaine des tontines et aussi dans d'autres applications, dans d'autres domaines. Voilà, parce que lorsque nous voyons l'euphorie de Djangui, nous voyons un peu plus ou moins les statistiques, nous donnent raison effectivement. Nous sommes actuellement à plus de 25 000 utilisateurs sur notre plateforme. Et si on regarde seulement dans le passé comment cela a évolué, on voit effectivement que depuis carrément, surtout l'avènement du COVID, il y a eu vraiment une explosion quant au nombre d'utilisateurs. Nous avons compris que ceux-là, ils étaient plus ou moins un peu coincés parce qu'ils ne pouvaient plus se rendre dans une association. Ils ont goûté Djangui, comme on dit souvent, Djangui était sucré et ils se sont dit « Oh, pourquoi on n'utilisait pas ça avant ?» Donc, nous pensons vraiment que, parce que jusqu'à présent, nous sommes les leaders sur le Play Store. Donc, si vous allez même sur le Play Store, vous tapez le nom de Tontine, vous allez voir que c'est nous qui apparaissons en premier avec une autre application, une dérivée de Tontine, de Djangui, du nom de Djangui Money.
Vous voyez effectivement que nous sommes. Donc, on vous dit en fait que nous pensons que les statistiques de Nzangui, on n'a même pas besoin de. Elles sont claires et nettes. Nous sommes vraiment très avancés. Nous sommes les leaders. Nous avons des stratégies vraiment qui font que nous développons des nouvelles versions. Nous travaillons carrément sur toute une nouvelle version qui arrivera dans les semaines, comme j'ai dit, qui sera disponible sur le Play Store et aussi qui va remplacer la version Android. Donc, nous n'avons pas de doute quant à ce niveau. Surtout aussi que nous, au-delà de Njanguy, nous avons aussi d'autres plateformes qui peuvent être interconnectées avec Njanguy. Donc, à ce niveau, on n'a même pas de doute. D'accord. Tu as mentionné Njanguy Money tout à l'heure. On reviendra un peu plus tard dans l'émission sur justement tes autres, parce que Njanguy, c'est pas ton seul produit, c'est pas le seul produit de. Exactement. D'ailleurs, c'est App Fabric, en fait, tu m'as dit. App Fabric, Oui, la l'entreprise. société, exactement. L'entreprise, c'est App Fabric, qui est basée, qui a son siège social ici en Allemagne, mais qui a une filiale au niveau du Cameroun du nom de App Fabric Sall et une autre en cours de création au niveau de la Côte d'Ivoire du même nom, qui sera responsable de la partie l'Afrique de l'Ouest. Mais comme vous avez dit tantôt, au-delà de Njanguy, certains nous connaissent seulement avec sur la casquette Njanguy, mais Njanguy a été effectivement notre propulseur parce que nous avons aussi d'autres plateformes autant perturbatrices que Njanguy, qui est utilisée par vraiment des milliers de personnes. Et à ce niveau, voilà. Donc, on ne peut qu'être fier de. C'est pour ça que Eh j'ai parlé de ce ben, leadership, pas seulement du côté de l'Étontine, mais vraiment dans. Dans le numérique en général, au niveau du Cameroun et en Afrique. ok, d'accord. On reviendra dessus un peu plus tard dans l'émission. J'ai quand même une question qui me taraude l'esprit. Hein. Quand on parle d'application, c'est sur le net, ça paraît vraiment très abstrait. Comment ça se passe, par exemple? Au Cameroun, peut-être, avec le système informel, c'est peut-être pas un problème. Mais comment ça se passe au niveau de l'Europe, au niveau de l'Allemagne, avec la fiscalité, en fait? OK. Donc, disons simplement que déjà notre application Django, c'est une application qui est gratuite jusqu'à présent. Voilà, et parce que c'est un outil, en fait, à la base, Django, c'est un outil qui facilite la gestion des tontines. Donc, ça veut dire, on n'est pas là forcément, nous ne travaillons pas avec le fisc pour dire au fisc, voilà, Madame Francine, elle cotise telle somme par mois sur Django, non. Parce que nous savons que le fonctionnement à tontine, vraiment, c'est un mode classique. Même dans WhatsApp, on peut se décider d'envoyer l'argent, de faire des cotisations sur WhatsApp. Le fisc, forcément, ne saura pas. Donc, nous avons vraiment ce côté qui est vraiment très, très, qui nous tient énormément à cœur en tant qu'acteur dans le domaine du numérique, c'est la confidentialité des données. Parce que nous C'est savons ce que j'allais poser aussi comme c'est question. à ce niveau que nous jouons notre avenir. Parce que vous vous imaginez un seul instant que sur Facebook, une personne va se rendre compte qu'on a pu savoir les cotisations qu'il fait par mois et que l'information est fuitée sur Facebook. Vous comprenez un peu l'image d'une Tanguy ou de App Oui, Fabric qui effectivement. sera complètement salée. Donc, conscient de cela, nous ça travaillons jour et nuit. Depuis le premier jour, nous avons mis cette plateforme en ligne. La première chose qui était intéressante pour nous, c'était de dire comment la sécuriser, comment rendre cette plateforme voilà, sécurisée. Bon, il n'y a pas de système parfait, même les grandes boîtes sont. Il y a des hackers dans les grandes boîtes et Hacker, tout ça. effectivement. Mais je peux seulement vous dire de prime abord que même notre plateforme, même si quelqu'un parvient à hacker, la mayed, il ne pourra pas pouvoir décrypter les informations pour savoir ce qui se touche. Il y aura une information, mais il ne pourra pas les décrypter. Mais nous savons déjà de prime abord qu'à terme de sécurité, nous travaillons jour et nuit là-dessus parce que nous savons que c'est ce sur quoi on pourra convaincre des gens de dire voilà, nous sommes fiables, quoi. D'accord. Wow. Oui, c'est vraiment très intéressant. Et c'est un domaine très, très sensible, la gestion des données. Parce qu'avec le scandale, justement, encore, et Facebook et WhatsApp et autres qui fait l'actualité ces derniers temps, la gestion des données, c'est un domaine qui est vraiment très, très sensible. Et je Donc, suis je tiens aussi. peut-être à, pour ne pas vous te couper, je tiens juste à ajouter, lorsqu'on parle de, c'est vrai, il y a eu ce scandale au niveau de Facebook ou de cette politique, de nouvelle politique de Facebook à travers WhatsApp. Je tiens juste à ajouter que chez nous, nous avons une autre particularité. Parce que nous parlons d'argent, il est important de mentionner à tous les utilisateurs de Njanguy et ceux qui viendront que dans Njanguy, lorsque vous créez un tontine avec les membres, s'ils sont 20, sachez que les 20 ont accès à votre numéro de téléphone. Parce que c'est très important. Parce que si ça arrive que vous prenez la cotisation et vous fuyez, il faudrait que nous puissions
mettre votre numéro à disposition de cette personne pour qu'il puisse appeler. Donc, le concept avec Nzangi, contrairement aux autres plateformes, est un peu différent parce que nous pensons qu'il s'agit d'argent. Il est important que tous les membres puissent avoir votre numéro de téléphone et votre nom. Sinon, vous ne faites pas la tontine parce qu'on parle d'argent. Si c'était une plateforme qui était juste là pour les messageries, on fait référer exactement comme les autres. Mais parce que nous pensons que c'est une plateforme où on gère de l'argent, qui est quelque chose de très sérieux, les informations entre les membres sont divulguées autour d'eux. Maintenant, mais ça, c'est si uniquement dans un groupe, en fait. Dans un groupe. Si tu ne fais pas partie de tontine, tu ne verras pas les informations. Mais tous les membres de la tontine ont accès à votre numéro et votre nom. D'accord. Super. Il y a une question de Jude qui dit « Je n'ai pas compris, le téléchargement de l'application est-il gratuit sur Play Store ?» Oui, l'application est complètement gratuite et elle vous permet de gérer autant de tontines que possible. Ça veut dire, lorsque vous allez sur le Play Store, vous tapez le nom de tontine, vous allez voir effectivement apparaître en haut Nzangi. Vous installez juste Nzangi. Si vous êtes la première personne à utiliser Nzangi, vous enregistrez, vous créez votre tontine où il y a les champs remplis. Lorsque vous remplissez les champs, on vous demande d'envoyer les invitations à des membres avec lesquels vous souhaitez faire la tontine. Donc, lorsque vous envoyez les invitations à ces personnes, automatiquement, une fois ils ont cliqué sur le lien que vous avez envoyé, lorsqu'ils installent l'application, ils entrent directement au sein de votre tontine et vous recevez une notification une fois ils auront créé leur compte. Mais il y a aussi la possibilité pour des personnes que vous dites, bon voilà, ils n'ont pas assez de patience, vous pouvez déjà créer leur login au préalable, vous leur envoyez juste l'invitation et une fois ils ont reçu l'invitation, lorsqu'ils cliquent sur le lien, directement, ils installent l'application, ils se connectent directement dans votre application. Voilà. Donc, c'est ça le but, quoi. Donc, autant vous avez créé votre tontine, vous pouvez créer d'autres tontines ou vous invitez d'autres membres. Donc, avec Nzangi, vous pouvez gérer plusieurs tontines à la fois avec plusieurs personnes différentes. Ça fait que la messagerie se fera selon la tontine actuelle dans laquelle vous vous trouvez, mais vous pouvez switcher entre les différentes tontines. Il en est de même pour cette personne-là que vous avez envoyé l'invitation. Lui aussi, quand il installe, il fait partie de votre tontine. Il peut aussi décider de créer sa propre tontine à lui et envoyer des invitations. Et voilà, donc vraiment, le cycle est vraiment fait. Mais comme j'ai dit, c'est une application qui est gratuite, mais il y a une version payante, effectivement, que nous prévoyons d'introduire dans les semaines à venir. Mais le concept, vraiment, sera de telle sorte que, voilà, vous n'allez même pas ressentir ça pour les utilisateurs, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on a Alain B qui te dit bonsoir et mes encouragements. Merci. Je suppose que c'est aussi à Nzangi adressé. Donc, merci Alain et bienvenue à Spotlight. Ravi que tu sois connecté. Alors, une autre question de Air Metal qui dit en gros, j'ai pas besoin de connaître les gens avec qui je veux. Où peux faire la tontine? Non, vous devez les connaître au préalable parce que jusqu'à présent, nous ne mettons pas en relation des personnes qui ne se connaissent pas. Parce qu'ici, on est en train de parler d'argent. Ce n'est pas un groupe de chat normal comme les autres. On parle d'argent. Donc, il est important qu'au préalable, que lorsque vous venez sur Nzangi, vous créez votre tontine, les invitations que vous envoyez, vous devez envoyer à des personnes que vous connaissez. Certes, nous travaillons, peut-être je vais toujours profiter pour pouvoir donner toutes les activités. On travaille peut-être sur des modules qui arriveront plus tard où on pourra, certains gens pourront être éligibles à faire des tontines avec d'autres membres qui ne connaissent pas. Mais là, il faudrait qu'ils soient éligibles. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils nous aient montré leur fiabilité afin que nous les mettons en relation avec des personnes qui ne se connaissent pas. Donc, de prime abord, sur Nzangi, pour envoyer des invitations, vous envoyez des invitations à des gens que vous connaissez. Sinon, un intrus peut arriver dans votre tontine, il fuit avec l'argent et après vous pointez du doigt à Fabrique Nzangi. Donc, on met en relation des gens qui se connaissent pas, les gens qui ne se connaissent pas. Le concept des gens qui ne se connaissent pas se fera plus tard, mais avec une certaine éligibilité, un procès d'éligibilité. D'accord. J'avoue que quand j'avais entendu parler de Nzangi pour la première fois, j'avais aussi pensé comme Hermetal que des personnes qui ne se connaissent pas, on peut être éparpillé partout dans le monde et puis on est juste connecté à travers cette application. En fait, Nzangi ne gère pas l'argent. Nzangi ne touche pas l'argent des membres. Ça veut dire qu'on est juste là sur la plateforme et après, si par exemple, on a un groupe de tontines de 10 personnes et que c'est Francine qui est la bénéficiaire, les gens vont me virer directement à partir de leur compte bancaire. À partir de votre banque. Selon le mode qu'ils ont choisi, parce que pour le cas de l'Europe, effectivement, beaucoup de gens utilisent le mode de virement bancaire. Donc, le concept est vraiment fait de telle sorte que
Zangi facilite justement les virements. Ça veut dire chaque membre de Prima Bolos qui se connecte pour les cas de ceux qui se trouvent en Europe, chacun va mettre son, généralement, s'il choisit le compte bancaire, il va juste mettre son IBAN et son BIC, ses coordonnées bancaires. Ça fait que lorsque le trésorier ou lorsque le membre du bureau ou l'administrateur va créer une tontine et qu'il va choisir cette personne comme étant bénéficiaire, Zangi aura déjà les informations de bancaire qui permettront à ce que lorsque l'autre membre veut l'envoyer l'argent, Zangi va directement mettre cette information à disposition et il pourra initier un virement bancaire depuis Zangi pour que nous sachions qu'il va faire un virement, mais aller normalement effectuer son virement dans le moyen habituel et une fois il aura effectué le virement, lorsque nous saurions qu'il a envoyé à tel récepteur et lorsque le récepteur recevra l'argent sur Zangi, il devra juste notifier que oui, j'ai bien bel et bien reçu mon argent pour que nous mettons l'information à disposition des autres. Donc, vraiment, c'est dans ce concept, vous comprenez que nous n'avons pas accès à votre compte bancaire. Nous avons certes des partenaires avec des opérateurs Mobile Money, par exemple, au niveau de l'Afrique, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en RDC, qui nous permettent comme ça de pouvoir. Dans le cas où la tontine accepte accéder à votre compte bancaire. Donc, cela va permettre, par exemple, que même si quelqu'un devait fuir avec la cotisation, à travers ce partenariat, nous puissions plus ou moins empêcher qu'il ne fuit avec l'argent. Mais sinon, c'est vous qui donnez cette possibilité à Zangi de pouvoir y accéder. Sinon, par défaut, nous n'avons pas accès à votre compte bancaire, à votre argent. Voilà. D'accord. OK. On a une question de M. Dago qui. C'est une question que j'allais poser également. De quoi vient Zangi? Parce que si tu nous as dit que l'application est gratuite, comment ça se finance tout ça? J'imagine que il faut bien, ça génère des coûts, il faut bien naturellement financer tout ça. Donc, et monsieur Dago demande de quoi vient Zangi actuellement? Est-ce qu'il y a possibilité de placement de produits? OK. Donc, disons tout simplement que jusqu'à présent, nous n'avons, parce que nous avons, j'ai dit, les gens connaissent, ils me connaissent seulement sur la casquette Zangi. Mais au-delà de Zangi, on a d'autres plateformes vraiment encore très, encore même plus perpétubatrices que Zangi en termes de rentabilité. Mais parce que jusqu'à présent, WhatsApp, par exemple, est gratuit. On se pose toujours la question, comment WhatsApp fait en fait quoi? Donc, nous avons développé une stratégie qui est de le dire, Zangi est comme ça notre produit qui nous a fait connaître. Mais trouvons le bon timing pour pouvoir monétiser, pour pouvoir rentabiliser Zangi. Ça veut dire, on a déjà au préalable, on savait déjà que nous avons au moins un certain nombre de temps avant de rentabiliser Zangi. Donc, on a pensé effectivement à développer d'autres solutions qui nous apportent des entrées d'argent qu'on peut compenser le fait que nous développons Zangi gratuitement. Mais comme j'ai dit tantôt, dans les mois à venir, il y aura effectivement une version payante de Zangi. Mais comme je dis, jusqu'à présent, WhatsApp est gratuit et voilà, personne ne se plaint. Ça existe et ça réunit des millions d'utilisateurs. Donc Facebook utilise les entrées de Facebook même pour pouvoir financer Zangi, c'est dans ce sens. Quoi. Donc, je crois qu'en élaborant toutes les autres plateformes. Voilà. Oui, tout un système qui est mis en place. Et... Non, je salue, je dois vraiment saluer ici ton ingéniosité et avec ton équipe, franchement, de pouvoir mettre un système comme ça sur pied et qui continue à se développer vraiment, chapeau. Et voilà, il y a justement Stéphane Hugues qui demande, tu fais comment pour penser comme ça? Ben, disons tout simplement que, comme j'ai dit tantôt au début, c'est l'entrepreneuriat ou la programmation, c'est une passion en fait. Quoi. Donc pendant que les gens vont entrevoir le match de la Champions League, moi généralement je ne vois pas les matchs, à part les matchs du Cameroun. Donc, pendant qu'ils sont en train de voir les mains de la Champions League, je serai en train de programmer ou je serai en train de penser à des solutions, à comment, quelles sont les nouvelles solutions que je vais mettre sur pied. Donc, ceux qui me suivent, mes amis sur Facebook savent qu'effectivement, au-delà de développer, je suis aussi au niveau de l'entrepreneur, un peu comme un sorte de mentor qui partage son expérience, surtout dans le développement personnel. Parce que, comme je dis toujours, un manager ou un CEO qui ne travaille pas son développement personnel, sa société est prête à mourir dans les jours ou dans les semaines à venir parce que tout se passe dans la tête avant d'autres choses. Quoi. Donc voilà un peu plus ou moins pour dire, voilà, quand on fait quelque chose et qu'on croit, on y croit et qu'on persévère effectivement, voilà, quelles qu'en soient les obstacles qui peuvent être là, on a toujours, on trouve toujours les moyens pour pouvoir. Pour pouvoir aller de l'avant, toujours avancer. Et se dépasser aussi. Ça, c'est clair.
Mais à force de se focaliser sur quelque chose, effectivement, tu parviens toujours à le résoudre et apporter les autres innovations, quoi. Parce qu'on a toujours l'habitude de calquer les Africains comme étant ceux-là qui ne peuvent pas faire des choses comme les autres. Mais pourtant, nous tous, on a le même nombre de temps que les autres. On a le même cerveau que les autres. Et à ce qui concerne le domaine du numérique, tout c'est un peu une sorte de open source. Ça veut dire, nous tous, nous avons accès aux mêmes informations que les Américains, que les Chinois. Donc, on a juste besoin d'aller puiser ces informations et d'extraire ce que nous avons besoin et contextualiser dans le contexte africain pour créer une solution. C'est ça, quoi. Voilà. D'accord. On va prendre une autre question de Sango qui demande seulement le numéro de téléphone, seulement le nom, le numéro de téléphone. Pourquoi pas une pièce d'identification, sachant que quelqu'un peut changer de numéro à tout moment. Tu crois? Ok. Disons qu'à ce niveau, je peux seulement dire que, voilà, vous voyez, parce qu'on dit, dans la vie, on ne doit pas redéfinir la roue, en fait, quoi. Lorsque la roue est, quelqu'un a créé la roue, vous devez juste seulement ne pas essayer de réinventer les roues. Lorsque vous regardez WhatsApp, l'identification sur WhatsApp se passe par numéro de téléphone. Et je vous ai dit de prime abord qu'il est important pour nous que tous les membres qui se trouvant dans ton team puissent avoir accès à votre numéro de téléphone et votre nom. Maintenant, vu que Jangui reste et demeure un outil qui accompagne une association, nous définissons certes des certaines règles d'utilisation, mais au final, le règlement intérieur PZ à l'association, nous ne l'écrivons pas. Donc, c'est chaque association qui va définir au-dessus de Jangui son règlement intérieur, pourra à l'intérieur définir d'autres voilà, d'autres lois qui ne sont pas peut-être propres. Ça veut dire, ils peuvent décider à leur niveau de dire, bon, voilà, bien que Jean-Guy vous demande de mettre votre numéro de téléphone et votre nom, on veut que vous preniez une photo de votre CNI. Jean-Guy donne la possibilité de charger des fichiers, donc ils peuvent utiliser ce moyen pour pouvoir donner encore d'autres, faire d'autres restrictions. Mais nous, au niveau de Jean-Guy, on a dit, voilà, nous faisons comme les autres le font. Mais nous, au finish, on ne veut pas être responsable, garant du fait que une personne a cotisé et il a fui avec l'argent de la cotisation. Donc, Oui, même parce dans qu'on notre ne. règlement intérieur, nous ne gérons pas cela. Lorsque vous installez l'application, vous lisez notre règlement intérieur, vous comprenez que nous sommes juste un outil qui, pour faciliter la De gestion en ton team, gestion, effectivement. mais nous n'imposons pas une certaine conduite. Voilà. D'accord. OK. Sangou, j'espère que tu as la réponse à ta question. Une autre question de Jude Labelle qui dit Njangi a donc des banques de prédilection avec lesquelles elle travaille? Disons que dans le cas de l'Afrique ou du Cameroun, on a effectivement certaines banques avec lesquelles, certaines banques ouvertes à microfinance avec lesquelles nous travaillons. Mais au niveau de la diaspora, effectivement, comme j'ai dit tantôt, nous ne travaillons pas avec les banques. Peut-être ça va arriver, mais parce qu'on ne veut pas mélanger les choses, on ne veut pas sauter des étapes. Nous avons dit, la première étape, c'est de dire, vous initiez une transaction depuis Njangui. Njangui vous met à la disposition les coordonnées bancaires du bénéficiaire à tout moment. Et vous initiez justement la transaction depuis Njangui pour que nous sachions que vous êtes en train de vouloir envoyer votre argent. Et là, maintenant, on saura effectivement que lorsque vous avez envoyé par votre canal qui vous est propre, donc pas le virement bancaire parce que vous avez ces données, nous allons juste notifier cette personne qu'il reçoit un paiement venant de vous. Et une fois il a reçu, effectivement, nous mettons l'information à disposition des autres membres. Mais sinon, ça, c'est la première étape. Dont la deuxième étape de faire effectivement sera effectivement de faire des partenariats avec ces différentes banques. Mais vous comprenez que ça ne sert à rien de sauter les étapes. Ça ne sert à rien de venir chez une banque allemande, lui dire, bon, voilà, je veux qu'on crée un partenariat pour que vous me donniez accès au compte bancaire des membres. Et vous dites, vous avez combien de membres? Vous leur dites, bon, j'ai juste, c'est pas trop, 10 000 membres. Pour eux, 10 000, ce n'est pas suffisant. Ils attendent d'avoir peut-être 1 million, 2 millions pour trouver que c'est intéressant. Donc, vous C'est comprenez intéressant, que c'est oui, quelque chose que effectivement. nous traversons. Nous travaillons, mais on veut aller step by step. D'accord. OK. On va faire encore un petit break, une petite pause, et on revient dans quelques secondes. Alors,
Alors voilà, c'est la question du jour. J'aurais dû faire ça un peu plus tôt dans l'émission parce que la question du jour, c'est un concept qui les spectateurs qui sont connectés là en ce moment ont une question et peuvent répondre à la fin de l'émission. Donc, je vais rapidement remettre la question du jour, qui est de savoir c'est quoi Makit? Est-ce que Makit c'est A, une agence de communication et de marketing digital? Est-ce que Makit c'est B, une boutique en ligne? Est-ce que Makit c'est C, une école de formation? Donc, les amis, si vous connaissez la réponse, vous tapez dans les commentaires A, B ou C. Voilà. Alors, on va revenir donc à toi. Et tu nous as parlé justement, j'aimerais qu'on parle aussi, on a amplement parlé de Njanguy, qui était notre thème justement aujourd'hui. Mais à part Njanguy, à part Njanguy, App Fabrique a d'autres produits. J'aimerais que tu nous parles brièvement de ces autres produits que peut-être ça va permettre aux uns et aux autres aussi de comprendre comment est-ce que Njanguy se finance finalement. Exactement. Voilà, disons que les autres produits de Njanguy, effectivement, il y a par exemple, je citerai comme ça vraiment un ordre, disons un ordre d'entrée d'argent, s'il faut dire comme ça. Citerai comme ça notre plateforme du nom Njanguy Collect, qui est une plateforme en fait qui permet de collecter les fonds dans différents secteurs d'activité. Donc, c'est une plateforme qui permet de collecter les fonds et les centraliser. Donc, nous avons comme ça beaucoup de modules qui sont intégrés dans Njanguy Collect. Elle commence par la câble distribution. Donc, ça veut dire les câbles distributeurs peuvent acquérir la plateforme Njanguy Collect. Comme ça, interconnectés avec toutes les agences de collecte sur le terrain. Donc, ces agences de collecte pourront utiliser cette plateforme pour aller auprès de leurs clients, percevoir l'argent, utiliser Njanguy pour nous collecter, pour notifier qu'ils ont reçu l'argent et le chef pourra en temps réel avoir un aperçu sur quel agent collecte quelle somme, ainsi de suite. Donc voilà déjà la base d'abord de Njanguy Collect sur le module des câbleurs. Mais nous sommes allés au-delà en permettant que le client lui-même aussi puisse directement utiliser Njanguy Collect pour payer son abonnement et que sa carte ou son abonnement soit activé. Donc derrière Njanguy Collect, nous ne faisons pas seulement la collecte pour le cas des câbles distributeurs, mais il y a la possibilité que nous donnons. Nous avons intégré la possibilité directement que lorsque le client paye directement, que notre système, la plateforme active directement son abonnement. Il en est de même que lorsqu'il ne paye pas, le câble distributeur peut utiliser notre plateforme pour déconnecter le client en question. Voilà. Donc, parce que je parle de collecte, j'ai parlé des câbleurs. Nous avons aussi le domaine peut-être déjà de la gestion immobilière où Njanguy Collect un module qui joue toujours ce rôle de collecte ou de centralisation des fonds. Donc, une personne, par exemple, qui a un bien immobilier et généralement qui se trouve au niveau de la diaspora, il peut utiliser Njanguy Collect pour collecter les loyers des différents locataires, avoir un aperçu. Njanguy Collect met à disposition la plateforme qui lui donne l'accès à l'état des différents loyers. Il peut créer comme ça le compte d'un gérant, d'un concierge, qui va se charger peut-être de collecter cet argent en cash ou en mobile money. Dans le cas de mobile money, l'argent est directement centralisé dans son compte à lui. Mais dans le cas du cash, le concierge pourra juste prendre l'argent, utiliser une dernière collecte pour mentionner que j'ai pris l'argent de propriétaire. Et ou même le locataire même peut directement utiliser une dernière collecte pour payer son loyer. Et au-delà de ça, il peut aussi notifier, par exemple, en cas de lorsqu'il y a une panne dans la maison, il peut utiliser une dernière collecte pour signaler la panne et le propriétaire et le concierge pourra directement voir. Le concierge, bien évidemment, il devra aller résoudre ce problème. Une fois qu'il a résolu, il peut directement confirmer dans Njanguy Collect que le problème a été résolu. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est dédiée à la diaspora et aussi pour des personnes qui se trouvent en Afrique, qui ont des biens immobiliers et qui veulent gérer. Ils veulent centraliser les paiements, ils veulent savoir ce qui se passe. Donc, avec Njanguy Collect, nous donnons la possibilité d'avoir accès à toutes ces informations en temps réel. Et que, en cas de la création aussi est utilisée pour rappeler aux différents locataires les échéances de paiement. Donc, j'ai parlé de l'immobilier, j'ai parlé des câbleurs. Njanguy Collect aussi a des modules pour la gestion des boutiques en ligne. Et le concept étant aussi effectivement de centraliser les paiements. Mais au-delà de centraliser juste les paiements, Njanguy Collect aussi le module de gestion des boutiques va au-delà en permettant de faire les inventaires des produits dans les différentes boutiques, à faire aussi des ventes en ligne,
dans ces différentes boutiques. Donc, vous pouvez aussi être de la diaspora. Vous avez des boutiques au niveau du Cameroun, par exemple. Elles peuvent être à Douala, à Yaoundé et d'autres points. Et vous utilisez Nzangé Collect pour le faire. Je vais peut-être recevoir. Hello! Désolé, 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 les amis, vraiment, vraiment, c'est ma connexion est comme celle du Cameroun. Désolé, j'ai eu un problème de connexion. Tu m'entends, Jules, ton Ah. micro? D'accord. Oui, je vous entends, oui, exactement. Bon, désolé, il y aura un peu, juste un peu quelques bruits ici, mais je pense que pour les gens qui travaillent à la maison, ils savent que, bon, parfois, les enfants peuvent un peu déranger. Donc, si vous écoutez les échos des enfants, je crois que avec le confinement, nous sommes tous habitués à écouter les voix, même quand on est dans les meetings. Bon, je pense que nos amis ne vont pas nous en tenir rigueur. Et puis, de toute façon, on est en train de tirer à la fin de l'émission. La connexion a voulu nous jouer un mauvais tour. Mais bon, désolé encore, vraiment, désolé, les amis. Donc, on est de retour. Et tu étais en train de nous parler de Njangi Connect. C'est ça, je crois, oui. Tu étais en train de parler de Njangi Nzangi Connect. Collect, 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 exactement. effectivement. Bon, voilà, vu que déjà le temps un peu déjà nous tient au truc, je vais peut-être rapidement être. Donc, comme j'ai dit, c'est une plateforme qui permet de centraliser les paiements. J'ai parlé des câbleurs, distributeurs qui peuvent l'utiliser pour. Donc, c'est une plateforme B2B. Donc, ça veut dire que c'est vraiment dédié à des propriétaires d'entreprises, des gens qui ont des entreprises et qui veulent effectivement utiliser pour la gestion de leurs biens immobiliers. Donc, de leur structure. Donc, pour l'immobilier, vous pouvez utiliser pour centraliser et collecter les loyers. Pour les boutiques, vous pouvez effectivement utiliser pour effectuer les ventes. Donc, ça veut dire, si vous avez deux boutiques, l'une à Douala pour le cas du Cameroun et Yaoundé, et vous vous trouvez à Diaspora, Nzangi Collect vous donne la possibilité de créer les logins pour un gérant au niveau de Douala, créer les inventaires des produits qui sont vendus là-bas. Pareil pour Yaoundé. Et chaque fois que le client achète, vous donnez la possibilité au client directement de payer par mobile money. Donc, vraiment, c'est un système de caisse, en fait, quoi, où le gérant pourra juste, depuis son téléphone ou sa tablette, choisir les produits à acheter. Et une fois, lorsque le client veut payer, il y a la possibilité soit en prendre en cash ou par mobile money. L'avantage du bonhomme étant que les paiements sont directement centralisés et vous avez un aperçu ici. Donc, vous allez vous donner la possibilité d'avoir l'aperçu sur votre inventaire et deux sur votre beau paiement. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il peut La avoir petite, les, vous je crois que pouvez entendre. la petite réclame déjà son papa. Oui, Exactement. on va pas te retenir. On va vraiment bientôt clôturer. Je pense que peut-être que ce serait le thème d'une autre émission, de venir avec Njangi Collect, parce que c'est tout un autre produit avec qui apporte aussi toute une autre gamme de solutions. Donc, ce serait vraiment intéressant d'avoir aussi un temps pour parler uniquement de Jangy Collect. Disons Donc, le Nzangi Collect et d'autres applications, parce que App Fabric a dans son paquet comme ça plus de, je crois, 7 applications. Et il Wow. est important juste de citer celles-là qui sont effectivement, qui ont le vent en poupe, comme on dit, mais sinon, il y a d'autres effectivement qui sont en vue, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, je fais un rapide tour dans les commentaires. Je sais pas ce qui s'est passé quand je n'étais pas connectée. Peut-être qu'on a eu d'autres questions qui d'autres questions qu'on a
que j'ai peut-être loupé. On a Brian qui dit, franchement, je vous tire le chapeau, monsieur Jules. Oui, vraiment, respect. Respect. Alors, moi, j'ai une autre question qui est de... Tout à l'heure, je crois que c'était des métal ou air métal. Quelqu'un, en tout cas, quelqu'un de nos spectateurs a posé une question par rapport à est-ce qu'une junkie connecte les gens, est-ce qu'on peut faire une tontine avec les gens qu'on ne connaît pas. Et tu nous as aussi parlé du système de... C'était quoi? Le système de les tontines... comment l'autre système, pas le système classique. La vente aux enchères. Ah oui, la vente aux enchères. Et justement, oui. Et que ça intéressait beaucoup plus les opérateurs économiques. Les opérateurs. Et maintenant, dans ce cas-là, est-ce qu'un Jangui a une solution peut-être pour les microfinances qui peut-être pourraient gérer leurs clients à partir d'un Jangui? Exactement, c'est l'un des modules de Jangui Collect. Nous avons aussi le module de gestion des microfinances. Voilà. Donc, vous voyez un peu, lorsque je vous explique, vous comprenez que tout cela, Jangui a été comme ça le propulseur des autres solutions. C'est à travers Jangui qu'on a pu s'inspirer ou pour retirer des modules, des fonctionnalités de Jangui pour créer d'autres solutions. Donc, forcément réinventé là. Donc, on a effectivement dans Jangui Collect un module qui permet de gérer les microfinances. Le but étant aussi de pouvoir permettre aux microfinances d'envoyer les collecteurs sur le terrain, collecter de l'argent et directement, ils vont. Cet argent sera directement centralisé sur le compte. Et il y a effectivement un module, un peu une sorte d'online banking. Donc, le client, lui aussi, peut accéder à cette plateforme à travers Jangui Collect, avoir un listing, un aperçu de son état de collecte. Lorsque l'agent collecte l'argent, il insère dans Jangui Collect et lui aussi, le client peut directement voir que okay, voilà l'argent que j'ai inséré. Et il pourra aussi demander un retrait de un virement de son compte à un compte d'un autre membre au sein de la même microfinance. Donc, vraiment, nous sommes dans le domaine, peut-être déjà, Jangui Collect ou App Fabric dans son ensemble, nous faisons dans le domaine de la fintech. Donc, ça veut dire que toutes nos solutions ont des modules de paiement intégrés. Donc, nous faisons vraiment dans la financial technology et c'est vraiment notre créneau. On a vraiment, à travers toutes les années, conçu une certaine expérience dans ce niveau. Et voilà, on a déjà beaucoup d'acteurs qui croient en nous. Quand j'ai parlé des câbles distributeurs, la plupart des câbles distributeurs au niveau du Cameroun sur notre plateforme. Donc, je leur dis déjà un coucou. Et aussi dans d'autres secteurs d'activité, voilà. D'accord. Waouh. Bah, comme je l'ai dit, notre mission tire à sa fin. Vraiment, j'ai été ravie. J'ai passé un très bon moment avec toi sur ce plateau. Je suis très contente que tu aies accepté notre invitation. Avant de te laisser partir, est-ce que tu as un mot de fin? Tout à l'heure, on n'a pas absolument abordé cet aspect pendant l'émission, mais j'aimerais quand même qu'on clôture dessus l'aspect... le côté de l'entrepreneur, même pas la solution que tu apportes. Parce que, oui, tu as les difficultés que tu rencontres par rapport à ton produit. Et tu as aussi les difficultés que tu rencontres, toi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu aimerais dire, et on va se séparer là-dessus, aux entrepreneurs pour... Ben voilà, tout simplement, comme j'ai dit tantôt, ceux qui sont mes amis sur Facebook savent que je suis parfois quelqu'un qui dérange même à travers les publications de motivation que je fais constamment. Et ces motivations sont en premier dédiées aux entrepreneurs et aussi à des jeunes là qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que comme vous le savez, il y a soit un mythe que les gens font au niveau de l'entrepreneuriat, que je suis en train de voir essayer de démystifier depuis des années à travers mes publications, en partageant un peu mon quotidien. Donc, ce que je dirais aux entrepreneurs en général, et surtout aux jeunes, parce que c'est ceux-là qui, effectivement, ils peuvent vouloir vraiment nous écouter, prendre les expériences de ceux qui ont commencé avant que... Les aînés, de dire seulement que l'entrepreneuriat de nos jours, spécialement le numérique, s'est ouvert à la portée de tous. N'ayez pas un souci quelconque de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous avez une idée, travaillez juste un peu sur votre idée. N'attendez pas très longtemps, parce que lorsque vous attendez, soit les technologies seront obsolètes, comme on dit dans le jargon, soit un concurrent, l'idée que vous avez en tête, il va directement l'implémenter et vous allez juste dire, ah, ça c'était mon idée. Donc, on peut dire, essayez juste de travailler peut-être déjà un prototype. Lorsque vous sentez que le prototype, vous faites part peut-être à 2-3 personnes qui peuvent le tester, ils vous donnent des feedbacks, vous améliorez et vous lancez dans le marché. Mais sinon, comme je dis, le numérique, c'est vraiment l'opportunité que l'Afrique a
pour pouvoir rattraper plus ou moins son retard qu'il a accusé face aux géants de les pays occidentaux. Voilà. Donc, parce que l'avantage du numérique, c'est que tout est gratuit. J'ai juste besoin d'avoir de l'argent pour avoir une connexion data. J'ai juste besoin d'argent pour acheter un téléphone ou un ordinateur. Une fois j'ai ces trois outils, je peux aller sur Google, je tape comment faire ça. Même si c'est ça, comment faire l'élevage, je vais taper sur YouTube, je vais voir quelqu'un qui vous décrit de 1 à 2 comment faire l'élevage. Et parfois, on avait des budgets très, très petits parce que beaucoup disent, je ne peux pas me lancer en entrepreneur parce que je n'ai pas l'argent. Non, c'est pas vraiment faux. L'argent, ce n'est jamais le problème. Petit à petit, vous pouvez carrément construire carrément tout un truc. Vous devez justement être patient et être persévérant. C'est clair que vous aurez forcément des moqueries. Il y a des gens qui vont se moquer de vous. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de personnes qui ont déjà dit « Ah, ce que tu fais là, ça ne doit pas donner un suivi. » On est à 4 ans, presque 5 ans après, j'y suis là, même plus engagé qu'avant. Donc, vous comprenez que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir le mindset, travailler, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur d'échouer parce que là, nous échouons énormément et ça, je peux vous garantir. Donc, l'échec, effectivement, fait partie du chemin pour qui mène à la réussite. Donc, n'ayez surtout pas peur que parce que vous avez échoué, parce que les gens n'ont pas téléchargé votre application, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. Peut-être que vous n'avez pas mieux communiqué. Changez votre style, l'angle de communication et je crois que tout ira bien, quoi. D'accord, super, super. Oh là là, j'avais une autre question que j'aurais aimé te poser, mais vraiment le temps nous tient à la gorge et on va te libérer, on va te laisser partir. Ta fille te réclame déjà et donc merci vraiment, merci beaucoup Jules d'avoir accepté l'invitation. Nous, Spotlight, on te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès avec AppFabric, avec tous les projets qui sont en cours, avec Njangi, que ça puisse être un projet qui va être utilisé partout, vraiment. On te souhaite beaucoup de succès. En tout cas, tu le mérites, ce succès. Il n'y a pas de doute. Vraiment, je vous remercie aussi. Et un salut comme ça à tous les internautes, ceux qui sont connectés. Et voilà. N'hésitez pas de parler de Njangi autour de vous. C'est une application qui est fiable. Si vous avez des soucis quelconques, nous avons une type qui vraiment joue au niveau de la communication, au niveau du support. À tout moment, vous pouvez écrire dans Njangi, on va vous répondre. Et voilà, le plus important, c'est de savoir comment ça fonctionne. Une fois que vous savez comment ça fonctionne, je crois que tout va vraiment pour le mieux, quoi. Nous avons cette expérience, un retour d'expérience de beaucoup d'utilisateurs qui, effectivement, une fois ils ont su comment ça fonctionnait, depuis, ils sont scotchés sur Njangi. Et voilà, les chiffres, effectivement, nous donnent raison. D'accord. D'accord. Bah, merci et puis excellente fin de soirée. Et puis un coucou à ta famille. D'accord, au revoir. Au revoir, Jules. Moi, je vais rester continuer l'émission. Je veux dire continuer, clôturer l'émission avec mes spectateurs. D'accord, allez. Au revoir. Bye. Voilà. Voilà, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On a parlé de Tontine. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Bah, si ce n'est pas le cas, vous savez, on ne peut pas rester indéfiniment. L'émission a un certain créneau et on doit pouvoir respecter, bien que je sois toujours en train de déborder. Mais si vous avez des questions encore concernant Njangi, ah là là, voilà justement les contacts de Njangi, on va afficher ça sur une autre page, Afro-Entrepreneur Network. Donc, vous pourrez entrer en contact avec Njangi, mais je pense déjà que sur Facebook, si vous tapez Njangi, vous allez retrouver Jules, vous allez retrouver ses contacts et puis vous pourrez entrer en contact avec lui. Alors, voilà. J'ai posé tout à l'heure la question du jour. Et c'était, un instant que je revienne dessus rapidement. Donc, justement, alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé, est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu à la question, c'est quoi Makit? Est-ce que c'est une agence de communication et de marketing digital? Est-ce que c'est une école de formation? Est-ce que c'est un site en ligne? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu? Ah, il y a Brianne qui dit « Ah » pour la question. OK, je regarde encore s'il y a d'autres personnes. Alain Patrick qui dit « Ah », Jude qui dit « Ah », Stéphane qui dit « Ah ».
Ah oui, effectivement, effectivement, Makit, c'est une agence de communication et de marketing digital. C'est mon agence de communication et de marketing digital que j'ai mis sur pied. Et on offre divers services. Ouais. On a trois principales palettes. Ou alors, on a une palette de trois services. On a le web development, donc la conception de vos sites Internet, la conception de vos sites e-commerce, de vos landing pages. Peut-être vous avez aussi un site Internet et vous voulez le rafraîchir. Makit propose également ce service. On a également le service de branding, ça veut dire on travaille sur l'identité visuelle de votre entreprise. On conçoit les logos, on conçoit les banners, on conçoit les flyers, on vous conçoit une charte graphique qui sera vraiment votre marque, quoi, qui va représenter votre marque, qui va représenter votre entreprise. Et en troisième lieu, on fait également du social media marketing. Pour le moment, on fait l'optimisation des pages de vos réseaux sociaux. Et puis, on a aussi le service de community management qui est encore pour le moment restreint. L'équipe n'est pas encore grande. Donc, en fonction des demandes et de la disponibilité du personnel, on pourra aussi offrir ce service. Donc, voilà. C'est un tout, c'est un nouveau bébé. C'est un nouveau bébé et on est en train de faire nos premiers pas dans ce domaine-là. Et voilà. Donc, si vous avez justement des besoins dans les différents services que nous offrons, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, maintenant, c'est le numéro aussi également. La semaine passée, ce n'était pas encore possible de contacter ce numéro via WhatsApp. Mais maintenant, vous avez aussi la possibilité de pouvoir contacter Makit à travers ce numéro via WhatsApp. On a également notre contact mail qui est contact@makit.marketing. Et puis, le site web pour aller regarder plus en détail ce que nous faisons, c'est makit.marketing. Voilà. Je sais que point marketing, c'est une extension qui n'est pas encore, qui n'est vraiment pas très, qui n'est pas encore très connue. Tout le monde ne connaît pas encore. On est habitué à .com, .net, .fr et autres. Mais les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train de changer. Vous tapez simplement makit.marketing et puis vous allez atterrir sur notre site web et pouvoir voir tous les produits que nous offrons et tout ce que nous faisons comme service. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà. Donc, on est arrivé justement donc au terme de cette émission. On arrive au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h et on aura une jeune dame très, très inspirante également. On va parler, je garde encore le mystère sur le thème, mais on va parler... c'est une jeune dame vraiment très inspirante qu'on va voir la semaine prochaine. Et voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Connectez-vous. Et on va s'entretenir. Et merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Merci. J'ai vu de nouveaux noms. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir été là. J'ai aussi vu des habitués de la maison. Merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. Et voilà, c'est vous, hein, c'est vous qui donnez la force à ce qu'on fait, à ce que je fais ici. Donc, merci infiniment pour votre soutien. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée, un nouveau thème, comme j'ai dit. Et voilà. Portez-vous bien. Au revoir.